amazing testimonies on Liberty TV. Bonjour mes chers frères en Christ. Je m'appelle Madame Gassa Vilir, je suis ici à Douala et j'habite à Niala. Ça fait depuis 6 ans que je cherche le fil des entrailles, mais je ne savais pas que j'avais les fibromes au ventre. Un jour, je suis présente à l'hôpital pour faire l'échographie. On a dépisté que j'avais les fibromes dans le ventre. Je suis venue ici avec mon échographie. Le père est venu, il a dit qu'il y a une dame dans la salle, elle est venue avec l'examen d'échographie. Ici, qu'elle était dans l'église, j'étais assise là derrière, je me suis levée, je suis venue, nous étions 4. Puis son ministre devant, il a prié pour nous, il a dit que ces fibromes vont disparaître. J'ai dit amen, je reçois. Je suis rentrée chez moi, nécessaire de prier et passer toujours à ligne de prière par rapport aux fibromes, aux fibres des entrailles. Hallelujah. So as she kept on passing to the prayer line, the fibroid came out. You can see that there. Vous pouvez le voir. A huge lump of fibroid came out of her. Une grosse boule de fibromes est sortie d'elle. And she went back to the hospital to confirm. Et elle est retournée à l'hôpital pour confirmer. She has the medical report here with her. Et avec elle ici, elle a son rapport médical. Here is the ultrasound scan. Voici l'échographie. That she did of recent. Qu'elle a fait récemment. And the report, the conclusion says she has no problem, everything is normal. Et la conclusion du médecin nous montre qu'elle n'a pas de problème. Hallelujah. Amen. Can you put your hands together for the Lord? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? So the fibroid came out after a touch at the prayer line. Alors le fibrome est sorti après une touche à la ligne de prière. There are many women who are here this morning, even many that are following you through the TV, who are going through a similar situation. Many cannot conceive because of fibroid. What can you say to them? Madame, beaucoup de femmes sont ici aujourd'hui et beaucoup vous regardent à travers la télé. Et plusieurs ne peuvent pas concevoir parce qu'elles ont des fibromes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Bon, je dis à mes chères sœurs, surtout, de se connecter à la prophétie du prophète Eric Messem. Parce que quand il déclare et quand vous accrochez, ça s'accomplit. Donc, vous serez aussi touchés et délivrés comme le Seigneur a fait pour moi. Hallelujah. So, viewers, just listen to Madame Gassa Willy, who is testifying of having been delivered from fibroid. She came and through a prophetic word, the man of God said there's a woman with an echography with an ultrasound scan, and she came out, he prayed, she kept on passing through the prayer line, and today she's coming to testify that the fibroid came out after a touch during one of the prayer lines. Can we put our hands together for Jesus? Clamons pour Jésus. Liberty TV. Bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.